Bonjour, je m'appelle Jonathan Mahoto, j'ai 36 ans et ça fait plus de 23 ans que je fais du double dutch. Donc c'est un sport qui se pratique avec deux cordes à sauter où il faut être minimum 3 personnes pour pouvoir en faire. Et ensuite on commence avec des petites figures basiques, croisées, décroisées sur un pied pour finir avec des figures acrobatiques comme des saltos. Donc le double dutch, c'est un sport qui nous vient à la base d'Hollande, donc des pionniers hollandais qui faisaient du commerce sur les ports de New York. De là, un policier qui s'est intéressé à cette discipline et qui a réussi à faire en sorte de mettre le double dutch dans les écoles new-yorkaises et faire une grande compétition. J'ai découvert ce sport dans une MJC, donc en faisant de la danse hip-hop. Il y a une animatrice qui nous a proposé de faire du double dutch. De là, j'ai vu une personne rentrer en salto dans les cordes et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à ce sport. Une passion comme le double dutch, bien sûr que ça se transmet. J'ai vraiment plaisir à transmettre ma passion. On partage beaucoup plus qu'un sport, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis un grand frère pour certains, un papa pour d'autres. Les préparer au mieux au monde de la vie future. Donc dans le double dutch, plus que l'esprit d'équipe, je dirais la cohésion d'équipe, c'est encore plus parce que dans notre sport, on est tous au service des uns et des autres. Ce qui fait qu'on doit vraiment avoir un esprit soudé, on doit vraiment être ensemble. Pour moi, un rêve serait que le double dutch soit dans la plus grosse compétition mondiale et internationale, d'avoir des élèves à moi qui représenteraient la France dans cette compétition.